contact avec les différentes familles qui étaient concernées et nous leur avons à nouveau fait des propositions de relogement d'urgence. Sur ces familles, il y en avait 9 qui étaient concernées par cette procédure, 6 ont été reçues hier, et sur les 6, il y en a 4 qui ont refusé les propositions que nous leur avons faites. Est-ce que c'est normal qu'on reloge une personne en situation irrégulière au lieu de l'expulser ? Alors, pour être précis, il y a effectivement une obligation qui est faite quand on fait des opérations de logement, qui est faite et qui incombe à l'État, sur le relogement. Après, une personne en situation irrégulière, elle peut être effectivement relogée. Maintenant, ça dépend aussi de sa composition familiale, hein, puisqu'il y a parfois, on ne va pas séparer des enfants de leurs parents quand on fait du relogement. Donc, il peut y avoir un papa ou une maman qui est en situation irrégulière, mais des enfants ou l'autre conjoint qui est en situation soit régulière, soit français. Voilà, donc la situation est compliquée.